Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 août. Là, vous avez Flav en arrière-plan qui est en train de manger ses croquettes. Voilà, oui, alors je suis blonde, en effet, je sors de chez le coiffeur, j'ai fait juste des mèches. Hein. Voilà, les mèches, ça donne ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de trois choses. D'une part, alors j'en ai parlé et sur Facebook et sur Instagram. Oui, parce que j'étais partie de Facebook, mais là, il fallait que je revienne pour parler d'elle. Donc j'ai une amie qui s'appelle Sonia, qui est prothésiste ongulaire depuis 20 ans et qui vient de s'installer, elle était près du Mans, qui vient de s'installer à Quévin. À côté de chez moi. Et si vous avez besoin, comme je dis, hop là, il y a plein de devant. Alors là, vous. encore une fois, si vous avez besoin d'une super prothésiste ongulaire, et je dis pas ça parce que c'est une amie, sinon je dirais rien, qui vous fera un travail sérieux, qui est d'une gentillesse, et gentillesse au bon sens du terme et tout. Donc n'hésitez pas. Alors je vous donne son numéro de téléphone, mais demandez-le moi au cas où. Donc vous pouvez la vous joindre au 06 33 79 07 75, 06 33 79 07 75, Sonia, qui vous fera des ongles magnifiques. Regardez les miens, là c'est très, on voit pas bien, c'est très et discret, et subtil et raffiné, tout ce qu'on veut. Elle a, alors moi qui l'ai fait faire chez beaucoup de monde, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de couleurs différentes, c'est formidable. Donc surtout, vous n'hésitez pas à la contacter, elle le fait à son domicile et elle est formidable. Voilà, Sonia. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, bah là je pense que comme tout le monde, vous souffrez de la chaleur. Donc j'ai vu un truc que moi je vais essayer ce soir, le soir quand vous êtes dans votre lit, de mettre un pain de glace au pied du lit, comme ça, parce que je pense que le froid va au pied et ça monte dans tout le corps. Donc je pense que a priori ça ferait beaucoup de bien. Donc tentez l'opération pour ceux qui crèvent de chaud. La nuit notamment, enfin bon, on a chaud tout le temps, mais la nuit c'est d'autant plus pénible. Moi, il y a le ventilo qui tourne en permanence et le ventilo c'est pas forcément formidable. Je sais qu'il y a pas très longtemps j'ai eu très très mal, j'ai cru que c'était les dents et en fait non, c'est lié au ventilo que bah, je recevais dans le cou toute la nuit. Donc faites bien attention aussi à l'orientation dans laquelle vous le mettez. Voilà, donc le pain de glace au pied du lit. Et la dernière chose, alors je pense que beaucoup sont au courant, mais peut-être pas tout le monde quand même. Comme je vous ai dit, là je suis en train de, même si mon état s'est pas amélioré, je vous dis les mains c'est toujours pareil. La marche, n'en parlons pas, enfin la marche, oui, hier pour faire 50 mètres on a dû prendre le fauteuil. Enfin, bon, c'est assez catastrophique, mais point. Mais je veux quand même retravailler, alors peut-être. Pour l'instant, rien n'est fait que au mois d'octobre ou novembre, je ne retournerai pas au travail où j'étais avant. Travail qui me plaisait énormément, mais comme c'était sur 5 jours, je sais que maintenant 5 jours, c'est pas possible. Mais là, ce serait sur 2, peut-être 2,5, enfin, je ne sais pas. Mais je dis rien pour l'instant parce que rien n'est fait. Et je me suis dit, oui, mais il y a des jours où je peux conduire, parce que c'est pas très loin de chez moi, mais il y en a d'autres où je ne peux pas. Et je l'avais fait il y a quelques années, mais j'en ai pas eu besoin. Et là, ça a recogité. À Lorient, existe, et ça doit exister dans beaucoup d'autres villes, peut-être toutes, je ne sais pas. Nous, le service de bus qui est à Lorient, donc c'est la CTRL, mais peu importe, met en place un véhicule pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que, moyennant le prix d'un ticket de bus, eh bien, le véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous amène à l'endroit que vous désirez. Et je vous dis, ça vous coûte le prix d'un ticket de bus, pas plus. Il n'y a pas d'abonnement ni rien. Donc, moi, ça veut dire que... et puis, vous dites si vous êtes en fauteuil manuel, électrique, si vous avez besoin de quelqu'un. Enfin, vous mettez bien, quand vous faites la demande, vous mettez bien tout. Moi, j'ai fait la demande, j'attends la réponse, mais je sais qu'elle sera acceptée. Mais au moins, ça me permettrait... des moments je me sens pas du tout de conduire, excusez-moi, mais là il y a toujours un faux jour derrière, pourtant le volet est en partie fermé, mais voilà. Donc ça me permettra de pouvoir aller directement de chez moi à mon travail, parce que si c'est le travail que je convoite, c'est parfaitement accessible. Donc renseignez-vous où vous habitez, savoir s'il n'y a pas ce type de véhicule qui est mis en place
et pour, je vous dis, la somme d'un ticket de bus et non pas plus cher. Donc moi, j'ai fait la demande. Donc j'ai fait la demande, moi, c'est la CTRL. Et on verra bien comment ça va se passer. Mais ce serait très cool que j'ai mon véhicule qui vienne me chercher. Donc voilà, et au moins ça permet. Puis là, c'est pour le travail, mais si vous avez besoin d'aller chez le médecin ou si vous avez besoin d'aller faire des courses, n'importe quoi, voilà, c'est valable pour tous les déplacements. Donc nous, c'est pour Lorient et tous les alentours, quoi, en fait, le Grand Lorient, quoi. Donc voilà, donc surtout renseignez-vous, au moins ça évitera notamment aux gens qui sont isolés, qui ne sortent pas de chez eux et tout. Bah, peut-être que chez vous, il y a quelque chose comme ça qui existe et ça vous permettrait de faire des petites courses, je ne sais pas, d'aller à la pharmacie, d'aller dans les magasins, faire ce que vous voulez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de sortir parce que bah, ils ne savent pas comment faire. Et je suis certaine que certains ont ce type de service qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc renseignez-vous et je vous redis, si vous habitez dans les parages, Sonia, elle est top de chez top. Et donc voilà, 06 33 79 07 75. Sonia pour vos ongles, pour faire des ongles magnifiques et tout. Et elle a une palette de couleurs qui est formidable. Voilà. Donc plein de gros bisous. Et puis bah je vous dis, je sais pas quand, un de ces jours. Et puis voilà, je serai peut-être, je sais pas, brune à nouveau, j'en sais rien. Gros bisous.